Alors là maintenant on va muscler les bras pour avoir des biceps. Oh, je sais même pas si c'est comme ça qu'on fait. Ah si c'est comme ça qu'on fait je crois. Bon après je suis une mariée hein. Oh. Bon c'est bon là. J'ai fait mon sport en fait, là je suis fatiguée. Maintenant c'est ce que je vais faire, c'est que je vais aller au magasin acheter mon petit déjeuner parce que j'ai faim. Et il est 7h du matin, là je suis épuisée. Bon on va y aller dans cette tenue bien sûr parce que c'est ma tenue du jour en fait. Donc on y va, c'est parti, go, je prends mes fleurs. Bon là je suis venue dans un magasin pour m'acheter mon petit déjeuner en fait parce que j'ai faim. Comme de par hasard on est devant l'autoroute et tout le monde me regarde. Mais bon, pas très grave, on y va. Excuse-moi. Je suis avec un masque. Marie en masque. Oh my god. Comment c'est ? Est-ce que je l'ai bipé ? Non. Bah là je crois que personne m'a vu encore, mais bon. Je sais pas s'ils vont trouver ça normal ou pas. Mais attendez, je veux ces trucs-là. Alors, qu'est-ce que je veux pour mon petit déjeuner en fait? Attends, je suis de l'autre côté. Je veux des croissants. En fait, il y a grave des trucs là. Bon, alors, ça c'est fait. Bon alors ça c'est fait, maintenant je veux du jus en fait. Oui bah faut pas s'étonner hein. Maman t'es sérieuse ça? Attends, mets-le moi maintenant. Attends. Bon moi pour mon petit déjeuner je veux un jus en fait. Oh ça a l'air grave bon. Jus petit. Oui mais sinon ça c'est des smoothies. Je vais prendre ça. Je gardera pour la maison. C'est bon. Mais je sais pas c'est quoi ça genre. C'est trop mignon c'est des mini tablettes de chocolat. Non attendez je cherche. Je cherche un truc bon. Oh ça je sais que c'est bon mais pas trop bien. Oh les brownies c'est bon aussi. En fait il y a trop de trucs qui sont bons, je sais pas quoi prendre. Ça aussi c'est bon. Bon je crois que je vais prendre le brownie en fait parce que c'est vraiment trop bon. Bah je le prends, c'est vraiment la nourriture trop bonne en fait. Regardez comment je suis magnifique. Allez on y va. Oh non, maintenant il faut aller à la caisse. Oh non. La lumière est présente dans les... Oui. Bon là c'est extrêmement gênant parce que en fait je vais devoir aller à la caisse et tout le monde va me regarder très bizarrement. Même qu'il me regarde déjà bizarrement, donc voilà, vous avez jamais vu de mariée ou quoi? Ça me choque. Voilà, donc c'est extrêmement gênant, en plus il n'y a qu'une seule caisse qui est ouverte. Voilà quoi. C'est lourd. Bon, on y va. Hein? Maman, tu remarques ici. Vas-y. Vas-y.
vous êtes bien plus tard. Merci. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir. C'est sûr que j'ai besoin de... Tout le monde est un peu mort de rire en fait parce que la caissière m'a tué, elle est en train de rigoler. Parce que désolé, mais c'est pas toujours, tous les jours qu'on voit une petite Marie qui vient acheter des trucs en fait. Du coup, bah voilà quoi. Et non, mais même la dame qui faisait ménage, elle était morte de rire. C'était. Oh là là, c'était trop gênant. Enfin bref, donc c'est fait. C'est bon maintenant, j'ai acheté tout ce qu'il me fallait. La Marie a fait ses courses et son petit déj. Et du coup, maintenant, à la fin, elle va aller manger. Allez. Allez, salut. Donc en fait, bah, j'ai faim. Donc ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai pas les mains hyper propres, on va faire comme ça là. Oh mon beignet. Je vais manger mon bébé. Eh, mais même dans les voitures, ils me regardent. Bon, allez. Ah, c'est trop bon. Avec un petit peu de jus, là, et le brownie. Bon, les amis, là, je vais aller chercher mon mari, en fait. Je vais poser des questions aux gens. Je vais leur demander où est-ce qu'il est. Parce que là, en fait, je le cherche depuis tout à l'heure, mais je le trouve pas. Donc, c'est parti, en fait. Je vais leur demander. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour, vous n'aurez pas vu mon mari, il s'est échappé. C'est pour quand le gros événement? Aujourd'hui, mais il s'est échappé, je n'arrive pas à le retrouver, vous savez pas où il est? Ah non, je ne sais pas à quoi il ressemble, alors déjà... Une petite description, il faut mettre une petite affichette perdue, Mari, dans la galerie Vincent. Oui. Bon bah journée. Merci, bonne journée, au revoir. Bon bah j'avais oublié de préciser à quoi il ressemblait en fait. Faut demander à quelqu'un d'autre. Attends, il ressemble à quoi déjà? Il fait 1m15. Il a des oreilles de lutin et il a des pneus à la place des mains. C'est bizarre quand même. Bonjour. Bonjour. Non, Jean-Michel, je vais venir te demander. Bah viens, on va demander à Jean-Michel. Tu vois pas si c'est. Il est où? Il est là-bas. Il est là-bas. Bonjour, Jean-Michel en fait. Jean-Michel, il me regarde. Viens demander. Encore pire, la situation n'est pas la meilleure. Viens, on va lui demander à lui. Jolie mariée. Il a dit que j'étais une jolie mariée, merci. Bah, au moins ils me disent que je suis une jolie mariée en fait, je suis plutôt contente. Hop. Ah c'est bon, il est sorti monsieur. Excusez-moi, vous aurez pas vu mon mari, il s'est échappé. Ah non, bah, faut aller voir dans le magasin. Ah, vous pensez qu'il est dedans? Bah oui, il va revenir, vous êtes jolie, il va revenir vous voir. Ah merci. Et vous êtes jolie, il va revenir vous voir. C'est un second. C'est gentil ça. Bon bah apparemment personne l'a vu, mais à ce qui paraît il va revenir. Donc c'est déjà plutôt cool. Bon, enfin bref, personne l'a vu ici apparemment. Donc on va partir. Il est parti. Hein.
à le recouvrir. J'ai pas réussi à trouver mon mari, personne m'a aidée. Donc je rentre chez moi. J'en ai marre de ce mariage, moi. Je vous le dis. Hein. Allez, salut.